On se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer comment budgétiser après une réduction de salaire ou après une perte d'emploi inattendue. Alors évidemment, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça me fait super plaisir, c'est entièrement gratuit et ça va justement contribuer favorablement à l'évolution de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait déjà un moment que j'ai donc euh, vu et entendu que malheureusement, certaines euh, sociétés licenciaient des gens, que beaucoup de personnes perdaient leur travail euh, suite donc euh, aux récents événements que nous avons connus euh, donc euh, partout dans le monde. C'est vrai que les situations pour certains indépendants et certains employés ont été donc euh, catastrophiques. Donc je me suis... Euh, poser la question de savoir un petit peu comment faire pour continuer à budgétiser lorsqu'on a donc une perte de revenus qui peut s'avérer parfois très importante. Alors évidemment, la clé pour pouvoir rester motivé est de prendre conscience que ce n'est donc pas de votre faute. Ça, c'est vraiment très important de ne pas vous marteler. Voilà, c'est comme ça. Euh, le destin est fait comme ça. C'est parfois pas évident à gérer, mais n'oubliez pas que ce n'est pas de votre faute. Aujourd'hui, je vais donc vous donner des astuces pour savoir comment survivre financièrement après donc cette fameuse perte d'emploi ou diminution de salaire afin que vous puissiez donc continuer à payer vos factures en ajustant évidemment votre budget et en, et en continuant à travailler pour atteindre vos objectifs financiers. La première astuce est de relâcher la pression, car plus vous serez stressé et moins vous serez réactif et moins vous serez proactif. Il est très important de vous concentrer sur les choses que vous pouvez donc maîtriser. Ne laissez pas les choses que vous ne pouvez pas contrôler vous empêcher d'agir. Et vous faire perdre votre motivation. La deuxième chose, c'est de déterminer vos frais essentiels. Il est impératif donc de voir quel sont le montant minimum dont vous avez besoin pour couvrir vos frais essentiels. Alors qu'est-ce que c'est évidemment les frais essentiels C'est tout simplement l'alimentation, tout ce qui est donc assurance, crédit, etc. Tout ce qui est évidemment relatif à votre logement et à votre transport. Ce sont vraiment les quatre catégories les plus importantes. Alors évidemment, si vous avez des dettes et que vous êtes occupé à les rembourser, vous pouvez évidemment les rentrer dans les frais essentiels. Alors évidemment, je sais que ce n'est pas facile quand on subit une baisse de revenus ou une perte d'emploi, mais essayez de faire au moins les paiements minimums sur vos dettes pour éviter que ça n'engendre plus de frais l'avenir. Alors une fois que vous avez donc déterminé les frais essentiels, essayez de regarder avec les revenus de votre ménage. Alors évidemment, si vous tombez sans source de revenus, essayez de voir combien d'argent vous avez donc pu mettre de côté dans votre fonds d'urgence ou sur votre compte épargne. Évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo concernant le fonds d'urgence, n'hésitez pas à y voir, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. Le troisième point est donc de réduire, voire d'éliminer toutes les dépenses inutiles. Alors évidemment, ce n'est jamais facile de réduire ces dépenses, mais n'oubliez pas que c'est grâce à cette réduction de dépenses inutiles, qui ne sera peut-être que temporaire, que vous allez réussir à vous remettre sur pied. Évidemment, c'est toujours stressant de réduire ses dépenses, mais n'oubliez pas que c'est le meilleur moyen de maîtriser vos finances. Alors, si vous ne disposez pas d'un budget mensuel, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de dresser une liste des dépenses non essentielles que vous avez. Donc, par exemple, ça peut être les repas au restaurant, les, les sorties en famille, le téléphone portable, la télévision, les vêtements, euh, les euh, services de restauration rapide, les vacances, les cadeaux, les abonnements à la salle de sport, euh, les produits de beauté. Tout ça, ce sont vraiment des choses qui sont non essentielles. Donc, je vous conseille vraiment de dresser une liste. Pour voir un petit peu donc où part votre argent dans les dépenses non essentielles. Concernant toujours la réduction de dépenses inutiles, essayez de négocier vos factures. Par exemple, il m'arrive moi très souvent de téléphoner à mon fournisseur d'internet pour voir s'il n'y a pas une promotion qu'on peut m'ajouter pour réduire la facture. Alors évidemment, par exemple, si vous avez le Wi-Fi à la maison, mais que vous avez un abonnement avec la 4G illimitée, sur votre téléphone portable. Essayez peut-être de passer à un abonnement de téléphone portable moindre et vous utilisez évidemment l'Internet lorsque vous êtes à la maison. Ça peut être des petites astuces comme ça qui vont donc faire la différence sur un mois. Alors ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'annuler les abonnements que vous n'utilisez pas. On a tous et toutes, quand on regarde un petit peu de plus près le budget, des abonnements qu'on n'utilise pas. Un abonnement, par exemple, à une box beauté, un abonnement à un magazine que vous ne lisez peut-être pas. Évidemment, ça ne représente pas une grosse somme mensuelle, mais c'est déjà ça, donc n'hésitez pas à les supprimer tout simplement. Maintenant, si vous y tenez vraiment beaucoup, dites-vous que vous le suspendez simplement, que ce n'est que temporaire, et dès que vous serez remis en selle, vous pourrez reprendre ces fameux abonnements. Alors, Évidemment, il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher, comme par exemple les abonnements à la salle de sport. Si vous êtes vraiment très serré financièrement, dites-vous qu'il y a également moyen de faire du sport sans aller à la salle. Par exemple, vous pouvez tout simplement aller faire un footing, aller faire du vélo. Évidemment, tout ça, ce sont des dépenses qui s'avéreront gratuites. Donc, n'hésitez pas à suspendre votre abonnement, par exemple, à la salle de sport. Tout comme l'abonnement sur Netflix, par exemple, je sais que ça ne représente qu'une petite partie du budget, mais c'est vrai que parfois, en le supprimant, vous pouvez donc redégager un petit peu plus d'argent pour le mettre dans un poste essentiel. La quatrième astuce, c'est donc de chercher des moyens pour économiser de l'argent sur vos dépenses essentielles. Alors, rappelons-le, donc, les dépenses nécessaires sont donc la nourriture, tout ce qui est services publics, assurances, etc., le logement et le transport. Alors, il y a vraiment moyen d'économiser également sur ces dépenses-là. Alors premièrement économiser de l'argent sur la nourriture. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant justement l'alimentation où je vous ai expliqué comment diviser par deux son budget course. Je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la visionner, ça va donc vous donner des clés pour pouvoir réduire votre budget course. Alors dans les grandes lignes pour réduire son budget alimentation, il y a la planification de repas, acheter évidemment des produits blancs parce que les marques coûtent beaucoup plus cher. Évitez d'acheter des éléments transformés, achetez vraiment des aliments basiques que vous allez pouvoir cuisiner vous-même. Essayez également d'utiliser les drives. Ça peut être très intéressant et avoir justement, grâce aux drives, ce contrôle sur votre budget. Essayez éventuellement de manger moins de viande parce que, on peut se le dire, la viande, ça coûte un bras. Mais n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo. Vous aurez encore plein d'astuces beaucoup plus approfondies. Ensuite, économisez de l'argent sur les services publics, donc sur l'eau, sur le gaz, sur l'électricité. Il y a vraiment moyen de réduire vos factures en faisant quelques petites choses comme ça par-ci par-là. Par exemple, en ajustant le thermostat. N'hésitez pas à diminuer la température de votre maison de 1, voire 2 degrés, ça fera une fameuse différence. Alors ce ne sera pas une différence qui se verra tout de suite, mais c'est une différence qui se verra donc au fil du temps. Il est également important aussi de débrancher les éléments que vous n'utilisez pas. Alors là aussi, ça ne fera pas passer la facture du noir au blanc, mais ça fera une petite économie. Vous pouvez également essayer d'investir dans des rideaux occultants qui va empêcher justement l'air chaud ou l'air froid de s'échapper. Utilisez des ampoules à économie d'énergie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ici, partout, j'ai changé toutes les ampoules pour justement consommer moins. Alors, vous pouvez également économiser de l'argent sur le logement. Alors, si vous êtes locataire, N'hésitez pas à essayer de chercher un logement plus petit qui vous coûtera donc moins cher si vous savez que cette perte de salaire ou cette euh, perte d'emploi va vraiment vous impacter sur plusieurs mois. N'hésitez pas à penser à l'éventualité de changer de logement. Si maintenant vous êtes propriétaire, il y a également des assurances lorsqu'on souscrit un prêt hypothécaire concernant la perte de revenus. Donc, n'hésitez pas à aller rechecker vos assurances concernant votre prêt hypothécaire. Vous trouverez aussi sûrement des informations concernant ce fait-là. Et donc, ça pourra vous aider temporairement à ne payer peut-être que les intérêts sur le prêt hypothécaire et pas le capital. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment jeter un oeil là-dessus. Alors évidemment, quand vous avez un logement, l'idéal est de prendre soin de votre maison. Cela peut évidemment éviter des réparations supplémentaires et ça peut justement prolonger la durée de vie de votre maison. C'est également valable pour vos électroménagers, euh, vraiment c'est valable pour tout ce qu'il y a autour de la maison. Plus vous allez en prendre soin et plus vous allez prolonger la durée de vie. Alors, économiser de l'argent sur le transport. La plupart d'entre nous, donc, se rendent au travail, que ce soit en voiture, en transport en commun, certaines personnes en vélo. Donc, si vous subissez une perte d'emploi, vos frais de transport peuvent donc être très faibles en ce moment. Alors, évidemment, si vous travaillez toujours mais que vous avez subi donc une réduction de salaire, essayez plutôt d'utiliser des transports qui vous coûteront très peu, comme par exemple à pied, si votre travail n'est pas trop loin, en vélo ou tout simplement les transports publics. Alors utiliser ces moyens de transport-là plutôt que la voiture, ça peut donc évidemment vous aider à faire face à vos dépenses. Tout simplement, les dépenses d'essence vont être limitées. Et évidemment, vous pouvez adapter votre assurance voiture et l'adapter au kilomètre. Alors ça, je sais que ça se fait beaucoup, mais du coup, si vous n'utilisez que votre voiture pour aller faire les courses importantes ou vous déplacer en cas de nécessité, l'assurance donc au kilomètre pourra vraiment soulager votre budget. Alors la cinquième astuce est donc de créer un nouveau budget mensuel. Donc maintenant que vous avez déterminé un petit peu donc vos frais essentiels et trouvé des moyens pour réduire vos dépenses non essentielles, il est donc temps de créer un nouveau budget et ce budget sera basé évidemment sur vos nouveaux revenus. Alors évidemment, si vous n'avez pas de revenus, vous devez plus ou moins savoir combien vous avez réussi à mettre de côté et voir si c'est suffisant pour pouvoir couvrir vos frais essentiels. Alors pour ceux évidemment qui découvrent la budgétisation, je vais vous remettre une vidéo dans le petit juste ici. Où je vous explique donc la méthode que j'utilise pour gérer mon budget familial. Alors évidemment, il y a des tas de supports qui vous aideront donc à établir ce budget, notamment le support que j'ai donc mis en place qui s'appelle Le budget pour tous et qui est donc disponible sur mon site web qui se trouve juste en bas dans la description. La sixième astuce est donc de se créer un calendrier budgétaire. Lors de la création de votre budget, essayez d'utiliser un calendrier financier. Alors, qu'est-ce que c'est un calendrier financier? C'est tout simplement un outil qui est conçu donc pour vous aider à vous rappeler quand l'argent rentre et quand l'argent sort. Si vous n'avez pas vu justement la vidéo concernant le calendrier budgétaire, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Alors, les avantages du calendrier financier, c'est que vous allez éviter de manquer certains paiements de factures. Évidemment, vous allez les noter sur le calendrier, donc vous les aurez en visuel et vous vous en rappellerez. Donc, ça vous évitera des frais de rappel, des frais de relance, etc. Ça vous aidera également à avoir une meilleure compréhension de vos finances. Vous serez donc en mesure de suivre plus facilement vos factures, vos dépenses fixes, donc toutes les rentrées et toutes les sorties. La septième astuce est donc de trouver des rentrées supplémentaires. Alors évidemment, il y a plusieurs aspects. Vous pouvez donc déjà commencer par regarder un petit peu autour de vous chez vous. Est-ce que vous avez peut-être des choses que vous pouvez vendre que vous n'utilisez plus Est-ce que vous avez des vêtements, des chaussures, des choses comme ça pareilles que vous n'utilisez plus Donc ça, n'hésitez pas à les mettre en vente sur internet, ça peut également compléter votre budget. Alors, une autre astuce qui peut euh, être très enrichissante, c'est de participer à des études de marché. Alors il y a des entreprises qui sont vraiment prêtes à vous payer pour avoir votre opinion sur certains produits, pour certaines choses de leur société. Et ça, c'est vraiment super intéressant à faire. Alors par le passé, j'étais vraiment une grande adepte de ça. C'est vrai que malheureusement, ici, depuis que je suis malade, j'ai dû bah, diminuer un petit peu. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup répondre à des enquêtes et des sondages en ligne. Alors évidemment, si vous le faites assidûment, c'est un bon moyen pour faire augmenter votre budget mensuel. Alors évidemment, n'hésitez pas à vous inscrire sur un maximum de sites internet parce que plus vous serez inscrite et plus vous serez évidemment sollicité pour répondre à des sondages ou des enquêtes. Il y a également des sociétés qui vous appellent directement pour aller donc dans leur société, pour aller goûter certains produits ou euh, découvrir des nouveaux packagings, par exemple de café et dire celui-là je l'aime bien, celui-là je l'aime pas, et vous serez donc payé pour ça. Alors ce sont des petites missions, mais c'est vrai que dans ces missions-là, vous pourrez gagner 25 à 50 euros, voire même plus, et c'est vrai que ça peut être très très intéressant à faire. Au niveau des sites Internet, si vous n'avez pas envie de vous déplacer, n'hésitez pas à regarder sur Google. Il y a des sites comme My Opinion, Opinion World ou euh, Survey Opinion. Il y a vraiment beaucoup de sites Internet qui proposent ce genre de choses. Alors moi, personnellement, pour les avoir testés, je sais que ce sont des sites fiables et des sites qui payent. Alors parfois, vous serez donc payé en argent ou parfois vous serez donc payé en bons d'achat. Alors évidemment les bons d'achat ça peut être intéressant aussi car vous pouvez donc les dépenser dans plusieurs enseignes. Lorsque nous avons une chute de revenus voire une perte d'emploi et lorsque nous devons réduire nos dépenses il est vraiment très tentant de cesser de mettre de l'argent en épargne. Évidemment cette décision-là est propre à vous mais je peux donc vous dire que cette décision peut potentiellement nuire à vos finances sur du long terme. Même si vous ne mettez que 2 euros de côté tous les mois, ces 2 euros qui vont, comme je dis toujours, faire des jeunes et appeler à mettre plus d'argent en épargne. Même si vous êtes contraint à réduire fortement votre épargne, ne l'arrêtez pas. Alors évidemment, suite à cette réduction de dépenses et de revenus, je peux donc vous conseiller de réfléchir à vos objectifs d'épargne. Gardez un objectif d'épargne et essayez de continuer à l'atteindre même si c'est un rythme plus lent peut vous aider à garder la motivation. La clé pour économiser de l'argent est évidemment de commencer petit. Évidemment, pour continuer à rester motivé, je vous invite à relever de temps en temps des défis financiers. Alors évidemment, sur le groupe, je vous remets la petite photo juste ici si vous ne nous avez pas encore rejoint, je lance donc toutes les semaines des challenges flash. Et évidemment, c'est vrai que ce sont des petits challenges, mais qui au fil du temps peuvent s'avérer super attractifs. Et donc, du coup, ça peut vous aider à garder la motivation pour justement continuer à épargner. Donc voilà les amis, j'espère que ces conseils et astuces vous aideront à garder le cap si vous vivez une situation compliquée. Alors, il y a vraiment beaucoup de personnes qui malheureusement passent par ce genre d'étape en ce moment, mais n'hésitez pas à garder la tête haute, à garder votre motivation et surtout à garder à l'esprit que ce n'est pas de votre faute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!